Le premier ce matin, c'est Lionel Asiati. Bravo. Bravo. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Installe-toi bien, nous attendons tout le monde en adoration. Bonne arrivée, bonjour. Je réponds bonjour à tous les bonjours. Bonjour. Bonjour à la servante Déborah. Partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Adore le Seigneur avec moi ce matin. Laisse-toi aller dans les profondeurs de l'esprit et tu verras des choses. L'apôtre Jean dit Egenomen en pneumatien te kuria ke emera. Ecuso piso mufonen megalehos salpigos. Et je fus transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme celle d'une trompette. Laisse l'esprit t'amener dans les profondeurs de sa présence. I'm sorry.
Est-ce que tu es dans l'esprit avec moi ce matin? Pendant que nous attendons les autres, nous sommes en adoration. Lève ton cœur vers Jésus. Bâtis-lui un trône d'adoration ce matin. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oh, espérons en l'Éternel. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le défi de ta vie actuelle, s'il te plaît, espérons en l'Éternel. La main de Dieu est là, je peux voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont dans l'esprit peuvent ressentir la puissance de la grâce. Je parle de la puissance de la grâce de Jésus-Christ dans leur vie. Pour briser les chaînes, oh, pour consoler les cœurs, pour relever le malade de son lit de malade, pour consoler le cœur contrit et brisé. La grâce de Dieu à travers cette adoration. Laisse-toi entraîner jusque dans les profondeurs du Saint-Esprit. Là, tes yeux verront ta délivrance, la restauration de ta famille. Dieu te montrera dans une perspective cavalière prophétique. Dans 5 ans, dans 10 ans, les bonnes choses qui arriveront pour ta maison et pour ta vie. Nous te célébrons, Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsque j'adore en langue comme ça, là, ne savent même pas si c'est le parler en langue. Certaines personnes pensent que non, je chante en mon patois, ou je chante en espagnol, ou je chante en grec. Non, ce n'est ni mon patois, ni l'espagnol, ni le grec. Je parle et je chante en langue. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et dit, je ne parlerai pas seulement en langue, mais je chanterai aussi en langue. La chanson en langue est une autre dimension plus supérieure que le parler en langue. C'est un domaine privé, c'est un domaine préparé pour ceux qui vont très loin avec le Saint-Esprit. Chanter en langue est un don de Dieu, frère. Voilà pourquoi j'ai dit hier que lorsque vous adorez, une véritable adoration t'emmène loin dans les profondeurs de Dieu. Tu te retrouves dans sa présence, comme l'apôtre Jean a dit. Il dit, je fus transporté par l'Esprit, comme un passager dans un avion jusqu'au jour du Seigneur. Ma prière, c'est que toi et moi, nous fassions un séjour au jour du Seigneur. Il est fidèle, notre Jésus. Il est fidèle. Il n'y a pas de raison de se décourager. Tu n'as aucune raison de te décourager. Mais tu as toutes les raisons d'être encouragé à continuer cette bataille jusqu'à la fin. Oh, suivant encore un peu pendant que nos frères sont en train de venir. S'il te plaît, partage cette vidéo. Partage ce moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Oh, envoie juste l'adoration si tu es délivré. Juste ce moment d'intimité avec le Seigneur. Ton problème est ôté, ta montagne est rabaissée, écrasée devant toi et le Seigneur te donne la victoire. Je sais qu'il y a une bataille que tu es en train de batailler. Il y a une montagne devant toi, il y a une situation devant toi. Tu attends que l'intervention de la main de Dieu puisse t'en sortir. S'il te plaît, voici l'occasion pour toi d'élever ton âme et ton esprit vers Jésus-Christ en disant, Seigneur, je te fais confiance, que mes yeux contemplent ta gloire ce matin et brise le joug de la servitude dans ma vie, la servitude dans tous les domaines de ta vie. Si tu fais cette prière de tout ton cœur, le Seigneur te visitera, il t'exaucera et le Seigneur apportera une grande consolation à ta vie et à ton cœur et à ta famille ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse l'Esprit te toucher. Laisse l'Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit, s'il te plaît, laisse-le diriger ta vie. Laisse le volant de ta vie ce matin. Laisse l'Esprit te conduire. Juste laisse-toi aller dans les profondeurs de sa majesté. Et prépare ta bouteille d'eau. Nous allons avoir un service de lavement de la face tout à l'heure. Après l'enseignement, nous allons prier ensemble. Dieu est en train de briser les chaînes. Bazar kawa anna marosa. Le Saint-Esprit est en train de briser les chaînes
Toute chaîne dans ta vie est en train d'être brisée. Je vois des gens qui reçoivent une visitation divine immédiate. Le Seigneur te rend visite. Le Seigneur te rend visite. Je vois le Seigneur entrer dans ta maison. Je vois le Seigneur entrer dans ton bureau. Je vois le Seigneur entrer dans ta chambre. Je vois le Seigneur entrer dans ton magasin. Je vois le Seigneur entrer dans ton lieu de service. Qui recevra le roi ce matin? Qui recevra le roi ce matin? Seigneur réprime Satan dans ta vie. Que le Seigneur réprime ses œuvres dans ta vie. Que le Seigneur réprime le diable dans ta famille. Que le Seigneur réprime le diable dans ta vie, dans ta carrière, dans ta vie sentimentale. Satan, le Seigneur te réprime. Le Seigneur te réprime. Le Seigneur te réprime. Et tes œuvres sont détruites. Toute personne qui me regarde ce matin, qui est sujette à la souffrance due aux œuvres, le Seigneur réprime le diable dans ta vie. Que les œuvres de Satan soient détruites. La Bible dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce qu'on appelle œuvre du diable dans ta vie et ta famille, le Seigneur détruit cela ce matin. Tu dis amen, tu envoies le cœur ou un pouce bleu. Je te dis la vérité. Tu vas remarquer tout simplement que cet autel a été détruit. Que cet autel a été renversé. Que cette maladie a été vaincue. Que cette situation a été déplacée loin du chemin de ta destinée. S'il te plaît, dis amen avec moi. Sois connecté en esprit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Bezalima udali gozato berasto. Flamanta kamera uzo. Je vais juste prier avec toi. Quelle est la montagne de ta vie? Quel est ce géant devant ta vie? Qu'est-ce qui te fait pleurer jour et nuit? Qu'est-ce qui te fait pleurer, te lamenter devant le Seigneur? Qu'est-ce qui rend ta vie amère? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Que le Seigneur réprime le diable et ses œuvres dans ta vie au nom souverain de Jésus-Christ. Baraz Melaim wa Idras Paros. J'ai vu un mouchoir blanc. Et ce mouchoir est la consolation de Dieu dans la vie de son peuple. S'il te plaît, crois au Seigneur. N'aie pas peur. Mets ta confiance en Dieu ce matin. Le Seigneur veut te délivrer. Il y a une grande délivrance que Dieu va apporter à son peuple. Les membres de ta famille qui sont connectés à toi, à cause de ce que tu es connecté à ce moment de prière, la puissance de Dieu est avec toi. Et la puissance de Dieu qui te délivre sera aussi envoyée vers tous ceux avec qui tu es en contact. Dans le nom de Jésus-Christ. Bla Isarana Udalasa, Seigneur, ta gloire. Je vous dis la vérité, la gloire. Sera un jour nouveau pour toi. Si je dis que t'aimes, oh, sera un jour nouveau pour toi. Écoute la prophétie. Un jour de grâce, l'esprit de paix, un jour de joie, va dire moi. Je te dis
que je vois ta gloire au milieu de ta souffrance. Si je dis que je perçois la gloire au milieu de ta souffrance et que Jésus va te sauver, il est. De Satan dans ta vie est détruite. Je vois les anges en train de libérer les gens. Tous ceux qui sont connectés à cette atmosphère, je vois les anges libérer les gens. Ne t'as pas oublié qu'il est là. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Sois prêt. Parce que les anges te touchent. Comme tu pleures aujourd'hui. Les anges te touchent. Les anges. Parce que ton cœur est brisé. Et si moi je te disais que Jésus t'aime tellement, 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 tellement. Dama inna balasa na tekata wa inna borazo. Blema inna karista udei. Reçois ta délivrance où tu es. Dans la prison où tu es, où on t'a encadenassé, où on a attaché ta vie, on t'a mis dans la prison. On a dit que tu ne seras jamais rien. Jésus-Christ me dit de te dire, aujourd'hui tu sors de cette prison. Tu sors de ta prison. Ce matin tu sors de ta prison. Je vois des milliers de personnes sorties des prisons. Je les vois sorties de toutes les prisons, de toutes les nations, de toutes les villes des nations. Parce que l'ange de l'Éternel, l'armée de Dieu, a été libérée ce matin. L'ange Michaël, l'archange Michaël et son armée ont été libérés pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tes prières aujourd'hui sont exaucées. C'est le jour de la bataille de l'Éternel contre les ennemis de son peuple. La Bible dit, parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. L'Éternel combat pour toi. N'aie plus peur. Ce combat n'est plus ton combat. La Bible dit, Exode 14, verset 14, dans la Bible en hébreu, il dit, Yahweh lahem lakem u'atem tacharisun. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, allez vous reposer. Dieu me dit de te dire, toi qui me regardes, cette année, à partir de maintenant, voici la saison du repos pour ta vie. Ne pleure plus, ne pleure plus. Ça, c'est la saison du repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Trop de souffrance. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ne pleure plus. Soit la puissance de cet homme fort. Il n'y a pas une situation qui soit impossible quand le nom de Jésus-Christ est mentionné. La Bible dit, quand la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, quelle que soit l'origine des forces qui attaquaient ta famille, ton mariage, tes enfants, ta carrière, ton existence, que ça vienne d'en haut, de la terre, de dessus la terre, tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette puissance est soumise. L'Éternel me dit de dire à son peuple,
Le temps de régner est arrivé. Dieu t'invite au règne. Dieu t'invite au règne. La Bible dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Le règne est ton héritage. Le règne est ton partage. Le règne est ton héritage. Le règne est ton partage. La saison du règne est arrivée. Don't cry anymore. Écoutez la parole de l'Éternel. Si tu traverses une période difficile, il y a une bataille dans ta vie qui est compliquée. Touche ton téléphone, touche ta tablette ou ton laptop ou touche au téléviseur. Pendant que j'évoque le nom du Seigneur Jésus, le Seigneur m'a dit qu'un ange de l'Éternel va atterrir où tu te trouves maintenant pour apporter la restauration et la guérison à ta vie et à ta famille. Connecte-toi, sois prêt. Père, je prie au nom souverain de Jésus que ta main soit là, que ton ange atterrisse partout où le secours est attendu en ton nom. Reçois le secours de l'Éternel, reçois le secours d'en haut, où que tu sois. Dans cette situation, tu ne mourras pas dedans. Les anges du Seigneur sont libérés maintenant. Comme je suis à genoux devant le Père des esprits des prophètes et que j'invoque le nom de Jésus-Christ, je prie que son ange t'atteigne. Que son ange t'atteigne. Que son ange arrive où tu es. Quelle que soit la partie de la terre, du monde où tu es, la distance n'est pas une barrière. Les anges sont libérés au nom de Jésus-Christ. Reçois ces anges. 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 Puissance de Dieu, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, libère ton peuple. Puissance de Dieu agit. La main de Dieu est en train de libérer les anges. Tu vas ressentir la présence physique des anges où tu es. Les anges vont arriver pour batailler le combat de l'Éternel. Dieu me dit de te dire, ce combat n'est plus ton combat. Enfant de Dieu, fais confiance à ton Père. Faisons confiance à notre Père céleste. Il s'est levé aujourd'hui pour combattre en notre faveur. L'Éternel combat pour toi. Dieu me dit de te dire, fais-moi confiance, dit l'Éternel. Fais-moi confiance, dit l'Éternel. Ce géant est renversé. Le géant de ta famille est renversé. Le géant qui te rendait malheureux sur la terre des vivants. Ta vie, c'est déception sur déception. Pleurs sur pleurs. Blessure sur blessure. Déception sur déception. Contusion sur contusion. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Je te restaure aujourd'hui. Je te restaure maintenant. Toi qui as la foi, qui es plongé dans les ivresses de l'esprit, l'Éternel te touche. Il te sort de ta prison. Il te sort comme Lazare de sa prison. Tu ne dormiras pas dans ce sépulcre. Tu ne dormiras pas dans ce sépulcre aujourd'hui. Sors de ton tombeau. Au nom de Jésus. Sors de ton tombeau. Au nom de Jésus-Christ. Sors de ton tombeau. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, des gens sont par terre. L'onction a mis beaucoup de personnes par terre pour couper les liens de leur vie. Les liens maléfiques dans leur vie. La puissance du Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, gloire à toi. Gloire à ton nom. Gloire à ta présence. Merci pour la grande délivrance que tu apportes à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. O Marita, Marita, O Anna Usla. Bazalita wa inama. Est-ce que tu as reçu l'ange? Est-ce que tu as reçu l'ange de l'Éternel? L'ange est dans ta maison. L'ange est dans ton bureau. L'ange est dans ta voiture.
Parce que ce combat n'est plus ton combat. Tu as combattu pendant des années sans résultat. Tu as prié, tu as jeûné. Laisse l'Éternel combattre pour toi aujourd'hui. La Bible dit, car l'Éternel combattait pour Israël. Car l'Éternel combattait pour Israël. Car l'Éternel combattait pour Ekan et Ferdinand. Car l'Éternel combattait pour Momi Shalom et Kane. Mets ton nom à la place. Car l'Éternel combattait pour moi. Car l'Éternel combattait pour ma famille. La Bible dit, car l'Éternel combattait pour Israël. Ce combat, ce n'est pas un ange qui le combattra pour toi. L'Éternel, ton Dieu qui t'aime, lui-même combat ce combat pour toi. C'est une affaire qui concerne Dieu. Ceux qui t'ont offensé seront offensés. Le soleil ne se couchera pas pendant ce jour que cette prophétie ne se soit accomplie dans ta vie. L'apôtre Paul a dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligé. Paul dit que celui qui t'a affligé sera affligé par ton Dieu. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Il est temps que Dieu nous venge. Seigneur, il est temps que tu te lèves. Et je te bénis de ce que tu es debout. Tu es debout. Tu es debout. Tu es debout pour défendre la cause de ton peuple face à l'humiliation de l'ennemi. On moquerie. Écoutez, je suis à genoux devant le Seigneur. Ce n'est pas les yeux. C'est parce que mon roi est debout. Ceux qui t'ont lancé un défi, si un jour dans ta vie, on t'a lancé un défi, on a dit que tu ne seras jamais ceci. Ou qu'on verra comment toi, tu feras pour réussir dans la vie. L'Éternel combat pour toi ce matin. L'Éternel combat pour toi ce matin. Ce défi n'est plus ton défi. Ce défi est à l'Éternel. Ce n'est plus ton défi. Ce n'est plus ton défi. Laisse Dieu combattre pour toi. Fais-lui confiance. Laisse l'Éternel combattre pour toi. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point dans la confusion. Laisse-le te sortir de cette confusion. Faisons confiance, peuple de Dieu, en notre Dieu. Il est vivant. L'apôtre Paul a dit qu'il est fidèle, lui qui fait la promesse. Lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplit aussi. Fais-lui confiance. Dieu combat pour ta famille et ma famille. Il combat pour tes enfants et mes enfants. Il combat pour ton ministère et mon ministère. Fais-lui juste confiance. Laisse-le juste sur le volant de ta vie. Dis-lui, je suis fatigué, Seigneur, prends les contrôles. Dis, Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle dans ma vie. Dans ma vie sentimentale, dans ma carrière, dans ma famille, dans mes projets. Seigneur, je te fais confiance. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi. Je n'ai pas deux Jésus. Il y a un seul Jésus-Christ que je connais, c'est toi, Seigneur. C'est pour cela que je ne serai point dans la confusion. Mes enfants ne seront point dans la confusion. Ma famille ne sera point dans la confusion. Reçois la visite des anges. Oh, oh. Oh. Marika wa anna Marisa Nasera. Blaborabana utala forazo. Zama, je vois des visions, mon Dieu, mes yeux sont ouverts. Je vois des visions. Je vois des visitations divines. Je vois les anges secourir le peuple de Dieu en ce moment. En cette heure de 10 heures, ta famille est visitée. Les gens te diront, j'ai été guéri. Tu demanderas à quelle heure. Ils diront, c'était autour de 10 heures. Les gens diront, mon mari a été délivré. Tu demanderas à quelle heure. On dira, c'était à 10 heures. Quelqu'un dira, j'ai été sauvé d'un accident mortel. Tu demanderas à quelle heure et on te dira à 10 heures. Parce que voici l'heure de la visitation divine. Voici l'heure de la délivrance. Voici l'heure où la main de Dieu est sur toi. Où la puissance de Dieu agit dans ta vie. C'est l'heure de ta visitation. Oh Seigneur. Oh Jésus. Merci pour la visitation. Baraka wa anna maraza mero. Pilate idawa anna boraki wa inasplozo. Barakumi filialo itawa anna morazo blos. Mankaria wa inna amera udal fros. L'Éternel dit que tout ce qui a causé l'amertume dans ta vie, il l'ôte de ta vie. Une saison de joie est devant toi. Entre dans cette saison. Une saison de paix. Entre dans cette saison. Une saison de gloire, d'élévation,
entre dans cette saison. Dieu me dit de prophétiser ton introduction dans cette saison au nom de Jésus de Nazareth. Entre dans cette saison. Prends possession de ta saison. C'est là ta saison. Celle que l'Éternel ton Dieu a préparée pour toi. Malaké, les anges. Je vois des anges, des myriades d'anges descendre du ciel pour rendre visite à son peuple. Pour voir de leurs propres yeux les dégâts que l'ennemi a causés dans la vie du peuple de mon Dieu. L'Éternel s'est levé. Note cette date dans ton agenda. Note cette date dans ton calendrier. Aujourd'hui, c'est la visitation de Dieu. Note cette date. N'oublie pas cette date dans ta vie. Note l'heure, 10h, 11h. Le Seigneur te rend visite. L'Éternel combat la maléfique et Amalek dans ta vie. Tes ennemis seront battus dans leur propre camp. Car ton Dieu se lève pour prendre ta défense. Malikima alita udalos. Blema udavo. Guramita udali marezawa. Dela isaula imanar. Bloma inna sopora mi anta. Le kanasa mana. Dis-moi ce qui se passe dans ta vie. Les anges sont là. Il y a des personnes, tu entendras l'ange t'appeler audiblement. D'autres sentiront quelqu'un les toucher. Mettre la main sur leur tête. D'autres ressentiront l'huile de Dieu sur leur vie. L'huile de la restauration. L'huile de la royauté dans leur vie. L'Éternel me dit de te le dire. C'est une chose certaine qui est en train de se passer déjà. Quel que soit le bout du monde où tu me vois, la main et la gloire de Dieu parlent en ta faveur aujourd'hui. La honte quitte ta vie. La défaite change de camp. L'Éternel est dans ton camp. L'Éternel est dans ta vie. L'Éternel est dans ta maison. N'aie pas peur. N'aie plus peur. Tu n'es plus seul. L'Éternel est debout en ta faveur. Il défend son peuple. L'Éternel défend son héritage. Il est debout, notre Dieu, pour défendre son peuple. Je vois une restauration puissante, profonde, dans ta vie et dans ta famille. Je vois une main puissante établie dans ta vie et dans ta famille. Vos enfants sont visités. Dieu me dit, prophétise sur leurs enfants. Dis-leur, aucun de leurs enfants ne sera mendiant. Aucun de leurs enfants ne sera mené en déportation ni en captivité. Je me tiens par le manteau de Dieu sur ma vie. Et je prophétise sur tes enfants la bénédiction de l'Éternel. Et je déclare sur tes enfants, aucun d'eux ne sera sous le coup de la malédiction. De la malédiction de la maison de ton père ou de ta mère. Tes enfants seront grands. La main de Dieu est sur ta vie, sur ta famille. Et le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est délivré. Si ta famille était sous le coup de la malédiction, l'Éternel me dit de prophétiser. La malédiction est terminée. La saison de pleurs est terminée. La saison de défaite est terminée. La saison de maladie est terminée. La saison du célibat est terminée. La saison de défaite est terminée. La saison de douleur est terminée. Une nouvelle saison est devant ta vie. Avance. Entre dans cette saison. Laisse Dieu diriger ta vie. Laisse le volant de ta vie. Entre dans ta saison. Je te pousse dans cette nouvelle saison qui fermera la bouche de ceux qui se sont moqués de ton Dieu, de ceux qui ont méprisé ta foi, ta persévérance. Oui, ta persévérance, tes persécutions à cause du nom de Jésus, à cause de l'amour que tu as pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, écoute la parole du Seigneur. Parce que tu as confessé mon nom devant les hommes. Aujourd'hui, je confesserai aussi ton nom devant les hommes, devant Dieu et devant les anges, afin que ceux qui ont douté puissent croire, afin que ceux qui t'ont méprisé aient la bouche fermée. Dieu me dit de te dire, il ferme la bouche de tes ennemis et leurs bouches ne s'ouvriront plus jamais. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel t'emmène de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage. La gloire de Dieu est sur toi. Dieu enlève les vêtements de la honte. Les vêtements de la misère. Et reçois les vêtements de gloire.
reçois des vêtements de gloire. La puissance de Dieu descend. La main du roi est sur toi. La main du roi est sur toi. Tes vêtements sont changés. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, la Bible dit, Jésus a dit, ôtez-lui ses vêtements. On a ôté le vêtement de la mort chez Lazare. Dieu ôte le vêtement de la mort sur ta vie, sur ton ministère, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes projets, dans la vie de tes enfants, dans ta famille tout entière. Dieu ôte le vêtement de la mort. Dieu ôte le vêtement de la mort. Jésus ôte le vêtement de la mort. Et on te revêt de vêtements de noces, de vêtements blancs, de vêtements glorieux pour entrer dans cette saison glorieuse. Qui s'est moqué de toi? Qui s'est moqué de ton Dieu? Qui a insulté Adonai Elohim, dont tu es le serviteur, dont tu es la servante? L'Éternel m'a dit de te dire, ils auront honte. Ils reviendront à toi. Ils reviendront à toi. Ils reviendront à toi. Ils reviendront à toi. Si je te dis que demain, si je te dis que demain sera glorieux, est-ce que tu vas me croire? Si je te dis que toi, l'Éternel fera de toi le Joseph de ta famille, oh, est-ce que tu vas me croire? Si je te dis que la fidélité de l'Éternel te placera où ni ton père, ni ta mère, ni personne dans ta famille avant et après n'a occupé cette position, frère, pardon, est-ce que tu vas me croire? L'Esprit de l'Éternel est sur moi et mes yeux sont ouverts et je vois des visions, je vois des positionnements ou des repositionnements dans les familles. La main de Dieu est sur toi, tu peux ressentir. L'huile de la royauté est sur ta vie. Une onction spéciale pour une nouvelle saison dans ta vie. Oh, sois dans l'esprit, sois sensible. Sois sensible. Sois sensible dans l'esprit. Dis-lui, Seigneur, emmène-moi avec toi. Seigneur, emmène-moi dans cette nouvelle saison. Seigneur, la saison où la confusion est finie, où la honte est terminée. Oh, alléluia. Balazaman, 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 balazaman. J'ai vu des anges entrer dans une famille pour transformer les malédictions en bénédiction. C'est leur rôle. Changer les malédictions en bénédiction. Oh Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Changer les malédictions en bénédiction. La maladie en santé. La maladie en guérison. La maladie en guérison. La maladie en guérison. La maladie en guérison. Quel que soit le nom de cette maladie dont vous souffrez, retournez après cette prière chez le médecin. Allez directement chez votre docteur. Refaites l'examen. Si vous êtes connecté en esprit avec moi, je vous dis par l'Éternel, mon Dieu, les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ont changé. La Bible dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ces Égyptiens que tu vois, tu ne les reverras plus jamais. Parce que ton cœur est brisé. Et si moi je te disais que Jésus t'aime tellement, oh, tellement, et tellement, tellement. Le Seigneur Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime tellement. Toi qui es abandonné, oh, Jésus est avec toi. N'oublie pas que Jésus est avec toi. N'oublie pas. Il me dit de te dire que il est mort sur la croix pour toi. Qu'il est là chaque jour maintenant. Écoutez maintenant. Écoutez. Dieu me dit ceci. Tout ce qu'on a mis dans ton corps va sortir. Les femmes qui ont les myomes, les fibromes, les kystes, des animaux totémiques dans ton corps, sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Au nom de Jésus, je compte jusqu'à trois. Ces choses vont sortir. Littéralement, tu sens envie d'aller aux toilettes, n'hésite pas, va aux toilettes. Ne sois pas en public, pardon, parce que quelque chose peut sortir sur toi là et tu as honte. Père, je compte jusqu'à trois et tu apportes la délivrance. Tout animal totémique dans le corps de ton peuple, de la tête jusqu'à la plante de pied, ça sort maintenant. 1, 2, 3, que la délivrance te touche. Que la délivrance te touche. Que la délivrance te touche. Au nom de Jésus, tout ce qui est mystique dans ton corps, ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Au nom souverain de Jésus. Ça sort. Ça sort.
Ça sort, ça sort, ça descend et ça sort, ça descend et ça sort. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Ça sort, les anges sont sous l'onction. Ça sort, tu vas sentir ça. Ça sort, les kystes sortent, les myomes sortent, les fibromes. J'arrache ça, je racle ton utérus. Je commande que ça descend et ça sort. Ça descend et ça sort. Seigneur, opère des miracles inouïs. Des miracles bizarres. Des miracles bizarres. Si tu as un membre qui était court ou déformé, le membre là prend la forme normale maintenant. Il prend la forme normale maintenant. Il prend la forme normale maintenant. Puissant de Dieu agit. Puissant de Dieu agit. Puissant de Dieu agit. Seigneur, gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à Dieu le Père. Gloire, gloire, gloire à Dieu le Saint-Esprit. La louange à l'Éternel. La louange à mon Dieu. La louange à notre Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La délivrance. Oh Seigneur, merci pour cette délivrance. Prends ta bouteille d'eau. Ne t'amuse pas. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Ton verre d'eau. Tu peux courir, prendre rapidement la cuisine. Comment je vais aussi aller prendre ma part. Prends ta bouteille d'eau. Bella tata wa anna borosa. Maroukoum wa inna bromirazo. Qui a défié l'Éternel dans ta vie? Qui a défié notre Dieu dans ta vie? Il est dans les problèmes ce matin. Qui t'a insulté? Qui s'est moqué de ton Dieu? Il est dans les problèmes ce matin. Il est dans les problèmes. You are in trouble. You are in trouble. I tell you the truth. You are in troubles. You are in troubles. You are in troubles. Au nom de Jésus. Père, je prie que ta puissance descende dans cette eau. Que ta main agisse. Qu'une grande délivrance soit donnée à ton peuple. Dans le monde entier maintenant. Satan, le Seigneur te réprime. Satan, que le Seigneur te réprime. Satan, que le Seigneur te réprime. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouvre ta bouteille. S'il te plaît, dis au revoir. Dis au revoir à toute malédiction familiale, toute malédiction de la maison de ton père et de ta mère, toute malédiction ancestrale, toute malédiction de la terre en l'avant, en face. Trois fois au nom du Père. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour la délivrance que tu apportes à ton peuple. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Merci pour la grande restauration que tu nous as apportée. Merci pour la délivrance. Merci pour nos combats que tu combats. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Maintenant, écoutez, tous les habitants de Douala, jeudi, aujourd'hui, nous allons clôturer la première phase. Parce que dimanche, nous avons le culte des familles à l'Éternel. Ne manque pas à Yaoundé pour le culte des familles. Nous n'aurons pas culte à Douala. Toutes les églises Réma du Cameroun doivent être à Yaoundé pour le grand culte des plaintes. Viens poser tes plaintes à l'Éternel ton Dieu. Ne reste pas chez toi, s'il te plaît. Toi qui me regardes dans le Cameroun, hors du Cameroun, tu peux voyager pour dimanche. Ça sera un jour inoubliable pour ta famille et toi. Un jour inoubliable où Dieu laissera sa marque dans ta vie. Et tu sauras que l'Éternel marche au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Donc ce soir, si tu es à Douala ou dans les environs, prends ta voiture, sois en Dogbon à partir de 16h. S'il te plaît, viens me rencontrer en live. Laisse Dieu te toucher. Je vais dire à un homme de Dieu qui me regarde. S'il te plaît, ne reste pas chez toi. Je t'attends ici ce soir à partir de 16h. Ne manque pas. Regardez l'onction. Il y a le trouble ici même. L'électricité est troublée. Parce que l'atmosphère est surchargée par la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Qui se verse dans ma vie ce matin. Le sujet homme de Dieu, ne manquez pas. Il y aura une partition des hommes de Dieu tout à l'heure à partir de 16h. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Habitant de Ngaoundéré, je serai en Ngaoundéré le 3 mai à partir de 17h
dans notre église à comment on appelle ça, Onaref, ne manque pas. Garoua, nous serons à Garoua du 4 au 6 mai, tous les soirs à partir de 17h, dans notre église qui est située au quartier Plateau, en face de l'hôtel de la Canne. S'il te plaît, ne manque à aucun de ces programmes. Vendredi le 30, nous avons la grande nuit des flammes pour clôturer le mois-ci. Avec tous les lavements de pieds, lavement de la face, nous clôturons avec la grande nuit de prière de vendredi le 30 avril à Yaoundé, à la Bire. Donc s'il te plaît, toi qui assistes à tous ces actes prophétiques, viens clôturer ça cette nuit-là. Ne reste pas chez toi. Viens clôturer ces actes prophétiques, s'il te plaît. Et tu seras béni. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, amen. Malheureusement, nous ne pourrons pas prendre les appels parce que je suis en train de recevoir. Je suis au bureau en train de recevoir les gens. J'ai dû mettre une pause. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. Reste connecté et surtout, ce soir, s'il vous plaît, soyez connecté à l'enseignement. Soyez connecté à ma page. Ce soir, soyez connecté à partir de 17h, 16h, 17h. Sois connecté. Poursuis l'enseignement qui te délivrera. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.